J'espère que vous allez bien. J'ai eu un coup de folie aujourd'hui, j'ai eu trop envie de faire un vlog parce qu'en fait j'ai fait des achats déco hier et du coup j'avais envie de les montrer. La meilleure manière de vous les montrer c'était de faire un vlog, et j'ai reçu un colis Shein aussi là ce matin, et du coup pareil, vlog de ma semaine vu que ça fait longtemps que j'ai pas filmé un vlog, un weekly vlog. Moi j'espère que ce petit vlog où je vais encore vous raconter ma vie va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Là nous sommes dimanche 20 mars. Ce matin j'étais pas chez moi parce que j'ai dormi chez mon copain hier soir. Mon petit haul déco date d'hier, parce que hier j'étais censée réviser ma géopo parce que j'ai un gros DS qui arrive là vendredi. Ma sœur avait besoin de moi dans l'après-midi. Bien évidemment j'ai dit oui, je suis partie avec elle. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans un centre commercial. On a fait notre petite vie tranquille. Moi je devais arriver chez mon copain vers 17h30 à peu près. Et au moment où on est reparti du centre commercial, boum, accident. En gros il y avait la voiture de ma sœur, un monsieur là qui voulait tourner comme ça et qui apparemment nous a pas vu, et du coup il nous est rentré dedans comme ça sur le côté, donc de mon côté à moi. Du coup j'ai un petit peu mal au cou, donc je pense que je vais prendre rendez-vous chez l'ostéo parce que j'avais déjà mal au cou dans la semaine, mais alors ça n'a pas arrangé les choses. Fin de journée de merde hier honnêtement. Bah du coup voilà, c'est tout. Tout ça pour dire que je vais vous faire un haul déco et un haul vêtements pour commencer un vlog. On est allé chez Primark, c'est là que j'ai trouvé le plus gros. Premièrement j'ai pris un Home Read diffuseur. Alors déjà ça coûte 80 centimes, je trouve ça incroyable. C'est un diffuseur de senteur qui est censé sentir le jasmin. Petite déco, cette petite caisse rose comme ça que je trouve trop belle. Je voyais tout le temps des trucs comme ça sur Pinterest, ça coûte 2 €. Des bougies que j'avais mis sur ma wishlist à Noël. Une comme ça avec des petites boules jaunes. Une bougie en forme de corps. Une grosse bougie comme ça qui sent rien de particulier. En gros elle est texturée, je la trouve trop jolie. Et du coup pour aller avec ça, toujours en termes de bougies, j'en ai pris une comme ceci chez Tiger par contre cette fois-ci. Alors ça c'est vraiment typiquement le truc d'influenceuse en ce moment. C'est une grosse gourde comme ça de 2,2 litres. J'ai pris des bigoudis noirs. Toujours chez Primark, j'ai pris cet ensemble là avec un cycliste, on dirait que c'est du 6 ans mais c'est un truc qui s'écarte. Le haut qui va avec c'est 4 € aussi et on dirait aussi du 6 ans. J'ai repris un lot d'élastiques comme ça parce que tous les miens sont maudits en ce moment parce qu'ils se cassent tous. J'ai pris une caisse du coup comme la rose comme ça mais en plus grande et en jaune cette fois-ci pour mettre derrière mon portant pour remplacer un sac The Couples qui est là où il y a plein de bordel qui traîne dedans. Une paire de chaussures comme ça qui ressemble un peu au Birkenstock mais c'est pour l'été, enfin quand il fait beau. Déjà l'année dernière j'en avais vu chez Primark mais je les avais pas prises parce que c'était pas l'été, et au moment de l'été j'en trouvais plus. Du coup là même si c'est pas l'été je les ai prises, comme ça je serais sûre d'en avoir. C'est tout ce que j'ai acheté chez Primark. On est allé chez Tiger et on a trouvé des trucs trop mimi. Ma soeur elle m'a acheté ça, c'est un petit pantin comme ça, un miroir comme ça tout simple, tout basique, bois blanc. Hop, pour remplacer le mien parce que le mien il est rond et du coup quand je veux me maquiller sur mon bureau ça fonctionne pas. Et ensuite ma sœur elle m'a acheté une peluche comme ça que je trouvais trop belle. J'avoue c'est un peu un caprice, osez me dire qu'elle est pas trop belle. Si, elle est trop mignonne. Du coup je vous donne mission de lui trouver un nom en commentaire. Je voulais vous faire mon haul de ma commande Shein mais je ne peux pas parce que ma caméra clignote, donc là il faut que je mette ma batterie à charger. Au moins ce sera une bonne raison d'installer ce que j'ai acheté là, comme ça je vous montrerai ce que ça rend. Bonne charge et à tout à l'heure. Bon du coup j'ai tenté une petite déco ici, je trouve ça trop mimi, ça fait très Pinterest. Là j'ai mis du coup la bougie Primark, je suis pas fan parce qu'en fait on voit pas que c'est une bougie, donc de loin ça fait un peu chelou. Au niveau des rangements, on a mis la caisse jaune de chez Primark, à l'intérieur il y a tout ce qui est pour mon bullet journal, de la peinture et tout, mon bac avec mes perles. Et le rose ici de base je savais pas quoi mettre, mais au final j'ai mis mon chargeur de Mac et je mettrai aussi mon chargeur d'appareil photo dedans parce que c'est deux chargeurs que je sors le plus. Faire un petit peu de tri, un peu de rangement et tout dans une chambre pour commencer la semaine, c'est trop bien. Du coup je vais vous faire mon petit haul Shein. J'ai encore un code promo pour vous sur Shein si vous voulez, il sera en barre d'infos mais je vous le mets ici. Et on commence tout de suite avec une paire de chaussures. C'est une paire de talons roses. Ils sont trop beaux. Le rose c'est un peu ma couleur préférée, voyez-vous. Elles ont un bout carré. J'ai pris ce petit cardigan saumon orangé, on sait pas trop. Il est trop joli parce qu'il y a des pâquerettes, elles ressortent en fait, ça fait un effet relief. J'ai pris en taille M pour qu'il soit un peu loose et pas trop serré. J'ai pas du tout le bon haut hein. C'est trop mignon, j'adore. Ce blazer gris que je trouvais trop trop beau sur le site. Mais là ça me stresse parce que j'arrive pas à savoir s'il est gris ou gris bleu. Par contre
niveau quali, on peut pas leur retirer, c'est qu'elle est oufissime. Je l'ai pris en taille S. J'ai pris ce petit top là qui ressemble pas forcément à grand chose comme ça. Porté, il a l'air très très beau. Après, je vous avoue que les filles qui le portent, elles ont plus de poitrine que moi. Ok, ça me va pas du tout parce que j'ai pas de sein, c'est pas beau. En fait, il manque un petit creux à ce niveau là, vous voyez, je pense. Ensuite, j'ai pris un pantalon fluide bleu électrique parce que j'ai commandé un blazer bleu électrique, mais je crois que c'est pas le même bleu. Il faudrait qu'il soit un chouïa plus serré au niveau de la taille quand même. Au niveau de la coupe, il est sympa, mais il ressemble au noir Bershka en fait. Il est juste moins épais, très sympa. On n'est pas du tout sur le même bleu. Effectivement, j'avais raison. Un peu triste quand même, parce que je voulais vraiment un ensemble bleu. Le blazer est sympa donc. Convaincue. C'est trop mignon! Alors, comme ça, on dirait que c'est une jupe et que du coup, elle est très courte. Mais derrière, c'est un short. Une petite illusion, vous voyez. Je trouve ça magnifique. J'adore. J'ai pris une petite robe comme ça, très petite maison dans la prairie, bleue avec des carreaux blancs. Elle est trop mignonne. J'adore. Ça m'a dit qu'elle l'a trouvée courte, mais bon, écoutez, moi, c'est mes longueurs de robe. Je déteste les robes qui descendent plus bas que ça. J'ai l'impression que je m'apprête à aller faire du judo là. Je sais pas trop quoi en penser. Je voulais mettre ça pour les 18 ans de ma meilleure pote. Mais écoutez, je pense que je vais pas mettre ça. Je sais pas. Je pense qu'en fait, c'est la couleur qui fait que du coup, la matière, elle a l'air très cheap. Sinon, le style est sympa, hein. Mais j'ai l'impression qu'elle brille quand même beaucoup, beaucoup. Le dernier article de cette commande, c'est un maillot de bain qui est triangle. J'aime trop la matière. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est un peu côtelée, mais côtelée vraiment en relief. Par contre, petit bémol, c'est la culotte qui est quand même assez excentrée, ma foi. Voilà, c'est tout pour cette petite commande, mais c'est déjà pas mal. Chercher mon outfit pour demain, mais là je suis en hésitation. Soit le blazer chine du coup gris, je trouve ça sympa, sinon je mets le blazer bleu électrique. Ça fait très bureau, très boulot, très carré, vous voyez. Donc je pense que je vais quand même partir sur le blazer gris, je ne sais pas. Il est 7h05, j'ai bouclé mes cheveux, même si je l'avais déjà fait hier, mais du coup je suis repassée un coup dessus. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas tenir. Vu qu'on a plus les masques, on ressort le rouge à lèvres, ça c'est cool. Celui-là c'est un Fenty. Et pour la tenue, du coup, c'est ce que je vous ai déjà montré hier soir. J'ai juste rajouté une petite écharpe verte, comme ça, par au-dessus. Je sais pas si ça le fait avec le gris du blazer. Je suis un peu mitigée. Si, ça le fait. Franchement, ça le fait. Je vais aller chercher mon petit goûter pour ce matin. Et je vais mettre mes chaussures, mes Converse, et je vais y aller parce que sinon je vais être en retard. Bisous. Il est 16h, je suis rentrée à la maison, là tout juste ma maman est venue me chercher, je vais aller me faire un café, après je vais faire mon parcours sub, j'ai 2-3 petites modifs à faire, ça va prendre 10-15 minutes grand max. Ensuite, sport, j'ai envie de me tenir à, pas du sport tous les jours parce que je sais que je le ferai pas, mais genre du sport un jour sur deux. Là je suis chez moi, il est 16h, il est assez tôt donc ça me laisse le temps de faire pas mal de choses. Et en plus de ça, il fait beau et je passe des très bonnes journées quand il fait beau. Ce matin j'ai même eu 2 heures de trou parce qu'en fait j'ai eu 1 heure de philo, 1 heure d'allemand. Et après normalement j'avais 2 heures de sport, sauf que là je suis dispensée jusqu'à la semaine prochaine. C'était pas prévu, mais je suis sortie avec les garçons, on a été boire un café. C'était très cool, très sympa. Direction la cuisine pour se faire un coffee. Thank you.
j'ai mis mon outfit de sport. J'ai mis le haut de mon ensemble Ocean's Apart avec le cycliste de chez Primark. Je pense que je vais faire une vidéo pour les fesses et une voire deux vidéos pour les abdos. C'est ce que je fais tout le temps d'habitude. Vraiment une petite séance quoi, je vais pas faire un truc de 45 minutes. C'est parti. Je viens de poster une photo sur Insta sans me casser la tête pour savoir si ça allait dans mon feed ou pas. Toup, toup. Il est 17h30 déjà, ça fait déjà 2h que j'ai terminé, j'ai juste fait Parcoursup vite fait et j'ai fait du sport et après bah, j'ai passé 15 minutes à poster ma photo. Du coup là je vais faire ma géopo parce que j'ai pas vraiment avancé sur mes révisions et apprendre 4 chapitres en 4 jours, c'est un peu compliqué quoi. Mon outfit du jour est incroyable, je trouve. J'adore. J'ai mis le petit short qui fait jupe de chez Shein avec un pull rose Shein aussi. Ma chemise, c'est une Don't Call Me Jennifer. Après, j'ai rajouté un collier de perles Shein. Ma bague que je mets tous les jours. Je vais mettre mes Converse blanches que j'essaie de recoller hier parce que la semaine elle est complètement morte. Je suis ready, je mets pas de veste. Tintin ! En plus je croise tout le temps mon père à mon arrêt de bus le mardi. Je vous laisse et je vous retrouve ce soir. Bisous. Update de mon outfit of the day. On m'a grave saucé dessus aujourd'hui, des filles de ma classe, surveillants. Alors là nous sommes mardi exactement, j'ai un DS vendredi matin, 4h de géopo. Je voulais travailler ce soir mais je me dis que de toute façon j'aurais beau essayer de travailler, j'arriverai à rien faire. Du coup là je me tâte à faire une carte mentale sur le grand teint que j'ai déjà fait sur l'affiche que j'avais tenté de refaire du coup. En plus il fait super bon dehors donc je vous avoue j'ai pas du tout envie de bosser quoi. Pas de grands travaux ce soir pour le coup parce que j'ai pas envie. Je trouve pas mon stylo. Qui me l'a volé. Ça me saoule. Nous sommes mercredi, c'est encore une très belle journée, déjà de par sa météo parce qu'il fait encore super beau. Et ensuite parce que très bonne nouvelle, j'ai fini les cours à 10h. Je suis quand même partagée entre trop bien, j'ai fini à 10h, génial. Et ça me saoule parce que du coup j'ai eu 2h de cours ce matin, 1h d'histoire où on n'a rien fait et 1h de philo où comme d'habitude en philo je n'ai rien fait. Partagée entre fait chier, j'étais en cours pour rien ce matin et trop cool, j'ai fini plus tôt. Mais on va voir les choses du bon côté et on va juste se dire trop cool, j'ai fini plus tôt parce que du coup j'ai fini à 10h15 au lieu de 12h05, donc ça se prend. N'empêche, il est quand même déjà 11h45 parce que du coup j'ai été en ville avec une copine parce que j'avais un train à 11h14 seulement. On a été boire un café et ensuite nous sommes allés au Furet avant que je prenne mon train. En fait je me suis rendu compte qu'il me restait 5€ sur ma carte Génération Hauts-de-France et il me semble que cette carte elle périme entre guillemets courant avril. Du coup vu qu'il me restait 5€, j'ai vidé mes 5€ et je me suis acheté les antisèches du bonheur de Jonathan Liman. Je l'ai pris en format poche. Celui-ci coûte 7,80€. Très contente parce que c'était le premier livre de développement personnel que je voulais lire de base. Alors je vous avoue qu'il me fait un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il est très philosophique et un peu compliqué à lire. Sachant qu'en ce moment j'essaye de lire au moins 10 pages par jour de mon livre. Franchement ça fait une semaine que je le fais, une semaine que je m'y tiens et je suis très contente. Notre petite tradition depuis lundi, j'ai bien l'impression, c'est de regarder combien de pas on a fait. Et comme je pense que je vais pas bouger plus que ça aujourd'hui, j'en ai déjà fait 6100. Du coup là qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais passer l'aspirateur dans ma maison. Ensuite je vais continuer le montage de ce vlog. Et après manger il faut que je révise mon DS de géopo. Je vais déjà faire l'impasse sur le tout premier chapitre de l'année. C'était faire la guerre, faire la paix. Du coup je pense que je vais me concentrer sur histoire et mémoire pour la dissertation. Et espace et mer pour l'étude de documents. Il est 15h, j'ai encore rien foutu donc je pense que c'est l'heure de se mettre au taf.
Sachant que j'ai fait une to-do list qui est aussi longue que mon bras. Enfin là ça va, j'ai déjà rempli deux tâches, j'ai fait ce que j'avais à faire sur YouTube Studio. Je me suis avancée sur mon montage aussi. Je vais me mettre à jour sur mes pages, je vais regarder les feuilles que j'ai besoin, tout ça, tout ça. Il est 17h15, je viens enfin de terminer mes 3 fiches sur le chapitre histoire et mémoire. C'est-à-dire que j'ai terminé un chapitre sur les 4, mais on part du principe que j'avais déjà fait mes cartes mentales pour faire la guerre, faire la paix. Et j'ai aussi déjà fait mes cartes mentales sur l'environnement. Il est 17h, donc je pense que je vais descendre, je vais aller me poser dehors, je vais prendre un truc à boire. Et je vais prendre mon livre avec. J'attends toujours de savoir si ma prof de géopo est là demain ou pas. Parce que si elle est pas là, ça veut dire que je termine à 15h, donc ça me laissera encore du temps pour travailler, bosser un petit peu. Je me suis fait deux bout de pain d'épices avec du Nutella et j'ai pris un faux capucine. On dirait que j'ai la varicelle. Bon, comme vous pouvez constater, là je vais me foutre dans mon lit et je vais lire mon livre et je vais aller dormir. J'ai absolument rien vlogué aujourd'hui en fait, parce qu'à part ma géopo, ma douche et là aller manger ce soir, j'ai absolument rien fait d'autre. Demain je pense que c'est pareil, je vais pas vlogger des masses parce que demain matin j'ai rendez-vous chez la dermato pour faire retirer les derniers fils qui me restent, puisque ma mère m'a déjà enlevé certains fils, il m'en reste un là et un là. Et ensuite mes résultats d'analyse, etc. Bye. Hello la mif, nous sommes jeudi, il est actuellement 17h, je suis à la casa parce que j'ai fini les cours à 15h15. Et très bonne nouvelle parce que demain je finis encore à 15h. Parce que mon prof d'éco cette fois-ci n'est pas là. Et si ma prof de géopo ne revient pas encore demain, ça veut dire que demain je fais 8h midi pour mon DS. Et après j'ai fini, basta, week-end. Du coup j'ai fini à 15h, j'ai pris le train à 16h15. Et avant de prendre le train, je suis encore passée prendre un milkshake. J'ai pris un donut aussi mais que j'ai pas encore mangé. Et ensuite, vu que mon pass culture il a été accepté, genre validé hier, je vais passer au furet encore une fois. Et je me suis encore acheté un livre pour tester mon pass culture, mais pas n'importe lequel. Ok, à votre avis c'est quoi? C'est le tome 2 de Celle qui a dit fuck. Il est 17h, je pense que je vais manger mon petit donut. Je vais drink some water. Je vais manger pendant que je travaille. Ah d'ailleurs, j'ai eu un appel avec mon agent, avec Cécile. Et elle m'a proposé un projet trop cool, avec une marque trop cool qui s'intéresse à moi et tout. Donc ça me fait trop plaisir. Hâte de vous en reparler d'ici peu. Je permets de me distraire autrement que dans mes cours pendant 30 secondes juste pour remplir mon Year in Pixel qui est ma foi très coloré pour ce mois de mars. Il est très rose, c'est heureuse. Aujourd'hui nous sommes le 24 mars, on va mettre heureuse parce que bah, j'étais heureuse aujourd'hui. D'ailleurs j'ai pas dit mais mon rendez-vous chez la dermato s'est très bien passé, j'ai rien de grave et je suis arrivée à 9h pile au lycée, donc écoutez j'ai pas loupé grand chose à part une heure d'anglais quoi. Du coup j'ai mis une petite case rose pour aujourd'hui et vert pour productive hier. Maintenant c'est le moment de travailler, j'ai pas envie. Je vais regarder la vidéo de Stelle, 24h pour devenir dead girl, en mangeant un donut qui s'est mi-écrasé, mi-fondu dans mon sac. Les amis, j'ai pris une grande décision, il est 18h10 et j'ai décidé que j'allais aller à mon DS de demain au talon. Parce que de toute façon il est 18h, j'arrive pas à bosser, je vais relire mes cartes mentales que j'ai faites hier sur histoire et mémoire. Et le reste, ben on ira au feeling. Donc voilà, je pose un RTT, je décide que j'arrête de travailler pour aujourd'hui. En plus, grande nouvelle, demain je finis à midi. Aparté révision terminée. Ma soeur vient de rentrer à la maison, vraiment en deux spi. Et du coup, elle en a profité pour me ramener mes petites caisses comme ça, Primark. Vous savez, celles que je vous ai montrées dimanche. Et en fait, elle me les a prises en rose pâle, comme ça. Elle m'en a pris 4 pour les mettre dans mon armoire à skincare et tout. Que ce soit mieux rangé, mieux classé, plus joli aussi que ce que j'ai déjà. Rien à voir encore une fois, mais je vous ai pas montré mon outfit of the day. Du coup j'ai mis un petit jean rose côtelé comme ça qui vient de chez Stradivarius. Un petit top, crop top comme ça de chez Bershka. Avec ma chemise blanche par dessus. Et j'ai fait deux tresses comme ça. Et je sais pas si ça se voit mais j'ai plusieurs petites tresses dans les cheveux. Genre j'en ai 3 de chaque côté. On va tenter de faire passer ça dans mon tiroir. Première étape, essayer de monter ces caisses. J'ai monté mes 4 caisses, ça a pris 30 secondes top chrono. Est-ce que les 4 rentrent dans le tiroir?
ça rentre. Du coup ça ressemble à ça. Je trouve que ça fait très esthétique, j'adore. Je vais ranger tout ce qui est là, du coup dans ces petits bacs là, à l'intérieur de ça. Je vais essayer de tout organiser. Il est 14h, je suis rentrée chez moi à 13h30. Je suis allée boire un verre, manger une petite frite avec ma pote après notre DS parce qu'on a terminé à midi du coup. Je veux pas faire de plan sur la comète de ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, je sais pas. J'ai juste énormément bâclé l'étude de doc. Du coup pour mon outfit of the day, j'ai mis une petite chemise comme ça, Shein, trop jolie, un peu satinée, avec un crop top blanc de chez Zara. Et mon jean c'est mon Stradivarius, j'ai mis Air Force avec. Et voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à voter en commentaire pour votre outfit préféré de la semaine. Moi je crois que c'est quand même celui de mardi, avec mon petit short rose, mon petit pull rose et tout. Je trouvais ça très princesse, très mimi. J'ai trop aimé celui-là. Du coup là il est actuellement 14h. De base je voulais avancer mes fiches déco parce que j'ai déjà le chapitre 6, chapitre 7. Et il manque la fiche sur le chapitre 4, chapitre 5 à faire pour mon DS de vendredi prochain du coup. Donc à la je devais faire ça cet après-midi, mais au final j'ai eu la très mauvaise idée d'aller sur Pinterest et de voir des pages de scrapbooking, et ça m'a donné une inspi pour mon journal, ce journal dans lequel il y a un petit peu tout, voyez-vous. Et là j'ai trop envie de faire une page un peu plus perso avec les personnes que j'aime le plus dans ma vie. J'hésitais à aller me mettre dehors ou à faire ça ici. Bon, vous savez quoi, on va quand même aller faire ça dehors parce que merde il fait beau, la semaine prochaine il refait plus beau, donc on va profiter du sun. Je viens de faire une page avec quelques questions entre guillemets pour faire un petit bilan du mois de mars. Du coup je me suis posé 10 questions et je pense que je le ferai à toutes les fins de mois avec tout le temps les mêmes questions. Il est 15h27 quand même, le temps passe très très vite ma foi. On vient de faire un saut dans le temps énorme puisqu'il est 21h, on est toujours vendredi. Je finis pas cette semaine sur une note très positive malheureusement parce que je vous avoue que là je me sens très fatiguée. Je sais pas pourquoi, depuis à peu près 16h j'ai un énorme pic de démotivation là. J'ai que envie de pleurer depuis tout à l'heure. J'ai aucune raison d'avoir envie de pleurer parce que je passe une très bonne semaine. Je pense que je vais regarder un film, je vous ai demandé de m'en conseiller quelques-uns sur Netflix. On a conseillé un, on m'a dit que c'était avec Leighton Meester. Et comme j'adore cette meuf, j'adore cette actrice, je vais le regarder juste parce que c'est elle, The Weeknd Away, un truc comme ça. Moi je vais arrêter ce vlog ce soir sur une note un peu chill. Bonne nuit.